n'avoir jusqu'ici rien fait, détruit, bâti, osé, à la manière du juif ou du jaune, pour l'évasion organisée en masse de l'infériorité. C'est en vain que je cherche le creux d'une épaule, cacher mon visage, la honte de la réalité. Ne peut triompher, ne peut réussir et avoir un sens que si les autres peuples, eux aussi, luttent à se débarrasser des mots que nous combattons. Qui sont les ennemis de l'Afrique? Qui sont les alliés de l'Afrique? Quelle idéologie pour l'Afrique? Il faut la révolution et il y aura la révolution en Afrique et surtout, il faut qu'il y ait l'unité africaine. Et cette unité africaine se fera par la force, par l'exigence, les exigences des peuples. Il faut cesser de voir l'Afrique comme un réservoir, il faut cesser de voir l'Afrique comme une base de manœuvre qui doit suivre. Il faut voir l'Afrique majeure, il faut voir les masses populaires qui prennent conscience de leurs intérêts, qui revendiquent légitimement et qui réclame la différence, le droit à la différence. Oui, je vais donc parler au nom de tous les laissés pour compte, parce que je suis homme, et rien de ce qui est humain ne m'est étranger. À part la réaction internationale, à bas l'impérialisme, à bas le néocolonialisme, à bas le fantochisme. Gloire éternelle au peuple qui lutte pour leur liberté. Gloire éternelle au peuple qui décide de s'assumer pour leur dignité. Victoire éternelle au peuple d'Afrique, d'Amérique latine et d'Asie qui lutte. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Je vous remercie. Nous sommes là pour combattre. Nous sommes là pour lutter. Nous sommes là pour prendre des armes si il faut. Alors mes frères et sœurs, est-ce que vous avez encore la foi? Est-ce que vous voulez encore prier? Est-ce que vous voulez encore croire que les vieilles femmes aussi que nous avons apportées des mains peuvent encore nous libérer? Et moi, je suis encore avec. Et moi, je vous dis, si vous êtes avec ici, vous, si vous êtes avec Léon Damas. J'ai l'impression d'être ridicule dans leurs souliers, dans leurs smokings, dans leurs plastrons, dans leurs faux cols, dans leurs monocles, dans leurs melons. J'ai l'impression d'être ridicule avec mes orteils qui ne sont pas faits pour transpirer du matin jusqu'au soir qui déshabille, avec l'emmaillotage qui m'affaiblit les membres et enlève à mon corps sa beauté de cache-sexe. J'ai l'impression d'être ridicule avec mon cou en cheminée d'usine, avec ces maux de tête qui cessent chaque fois que je salue quelqu'un. J'ai l'impression d'être ridicule dans leur salon, dans leur manière, dans leur courbette, dans leur multiple besoin de singerie. J'ai l'impression d'être ridicule avec tout ce qu'ils racontent jusqu'à ce qu'ils vous servent l'après-midi un peu d'eau chaude et des gâteaux enrhumés. J'ai l'impression d'être ridicule avec les théories qu'ils assaisonnent au goût de leurs besoins, de leurs passions, de leurs instincts ouverts la nuit en forme de paillasson. J'ai l'impression d'être ridicule parmi eux complices, parmi eux souteneurs, parmi eux égorgeurs, les mains effroyablement rouges du sang de leur civilisation. SOS. SOS. Vous avez pensé qu'un jour vous pourrez lutter? Nous sommes là, mes frères et sœurs. SOS. Je suis là pour mener la barque. Je suis là parce que la Bible nous a dit qu'il fallait croire. S-O-S. Je suis là parce qu'on nous a dit que si jamais on se faisait attaquer, on devait répondre. Et moi, j'ai promis de répondre par la force. À ce moment-là, seul comprendrez-vous donc tous. Quand leur viendra l'idée, bientôt cette idée leur viendra de vouloir vous empouffer du nègre. À la manière d'Hitler bouffant du juif, 7 jours fasciste sur 7. À ce moment-là, seul comprendrez-vous donc tous quand leur supériorité s'étalera d'un bout à l'autre de leur boulevard. Et qu'alors vous les verrez vraiment tous permettre ne plus se contenter de rire avec l'index inquiet de voir passer un nègre, mais froidement matraquer, mais froidement descendre, mais froidement étendre, mais froidement matraquer,
descendre, étendre. Sexe aux nègres pour en faire des bougies pour leurs églises. Le chaos et la panique. Une scène de guerre en pleine heure de pointe. Deux bombes viennent d'exploser. Au moins un acteur dans le métro, c'est un minimum, ça fait déjà trois personnes. Alors, peut-être qu'il n'y en a pas plus.